Premier jour à bord de Boréal pour la qualif. Cap sur l'Irlande. Première journée de navigation, on est parti hier soir du bassin d'Arcachon. Et on est quasiment déjà à la latitude du plateau de Rochebonne. L'Idoré est là, l'Idieu est là, et le fond est là. On est le deuxième soir de la qualif. À 120 000 du DST de Ouessant que nous atteindrons demain après-midi. On marche bien, on est à plus du haineux sur la route, toujours quasiment, sous le Genac. Le bateau il est équilibré, il vole. Il n'y a pas une goutte d'eau sur le pont. Les amis, jusqu'ici, piano atlantique, c'était plutôt atlantique que piano. Sauf que dans le projet piano atlantique, il y avait aussi des concerts à thématique maritime. Vous serez bien évidemment conviés. Et je me suis dit que cette qualif, c'était peut-être l'occasion d'emmener pour la première fois un piano sur un mini. Tu fais s'effondrer des locosses comme des châteaux de sable. Triomphe chaque équinoxe de terres intouchables. Lame après lame, tu bosses l'or, te trempes sans aucun trépas, comme les esquilles que tu drosses à la côte, là des combats. Et j'oublie tout pour les moments où le plaisir revient plus fort, quand je comprends exactement pourquoi la rudesse. Et les forts, les nuits de surfeurs endiablés, à perdre la notion du temps, le corps usé, le cœur enjoué. Enfin, vivant. Avez-vous déjà vu une très grosse boîte qui transporte des grosses boîtes dans lesquelles il y a des petites boîtes. Ta-da ! Je crois que je suis pas du tout habillé pour l'allure à laquelle je vais. Mes amis, derrière moi, au coucher du soleil, les îles Scilly. J'essaye de prendre soin du bateau au maximum et d'aller vite au maximum aussi. Pour moi, c'est assez symbolique de passer à côté de ces îles, parce que j'ai eu la chance d'y venir plusieurs fois quand je travaillais à bord des bateaux du Père Jaouen. Et c'est aussi là qu'est née l'idée du projet Piano Atlantique, de mêler la musique et la voile. Je me souviens de cette soirée incroyable sur l'île de Sainte-Agnès, la petite île qui est à gauche là-bas, au Turk's Head, qui était un pub, qui y avait un vieux piano. Et j'avais joué sur ce piano et tout le bar avait chanté avec moi. Et là je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire entre le monde maritime et le monde musical. Je vais vous faire le panorama parfait là, lever de soleil en mer d'Irlande avec les dauphins. Mais visiblement ils aiment pas être filmés. Le soleil vient de se lever, comme le dit la chanson. Et moi, je viens de changer de voile d'avant. J'ai passé la nuit sous le Genac. Et là, je viens d'envoyer le grand spi. Qui m'a déposé ça là? Bon, je vais essayer de reconstituer une banane avec 5 bananes écrasées. Le tout en ayant une main sur la barre. Ce qui est pas facile, éplucher une banane à une main, je sais pas si vous avez déjà fait, mais... Je profite des conditions un peu plus calmes pour me lancer dans une opération sauvetage de fruits.
jeunes albineux. C'est Cunningbeg, sud-est de l'Irlande. Et maintenant, on rentre à la maison, cap au sud. Premier objectif, les Scilly. Deuxième objectif, Ouessant. Troisième objectif, l'île de Ré. Quatrième objectif, Arcachon. Ravi d'avoir vu les côtes irlandaises. J'aurais bien aimé m'arrêter pour boire une bière, mais nous n'avons pas le droit. Allez, ciao, j'ai du boulot. Regardez derrière moi, il y a le bout dehors qui n'attend que d'être replié. Probablement prendre un riz, régler le pilote, ballaster, et après ça, on sera pas mal. Allez, à Cunningbeg. Et à la mer d'Irlande et à Boréal. C'est bien mon grand. Incroyable, incroyable de jouer ici, c'est trop bien. Il y a un petit contraste avec hier, je savais qu'il y avait un front orageux qui allait passer, je pensais que c'était plutôt ce soir, visiblement il a un peu d'avance. Ouais, il y a de l'orage, il y a des éclairs, j'ai coupé toutes les lettres, j'ai appelé en catastrophe le Djenak. Ah mais il y a des dauphins, vous avez vu? Ils sont toujours là au moment. Ce matin j'ai eu 35 nœuds. Là j'ai zéro nœud. Voilà, là je galère, regardez. Voilà, voilà. Changement d'ambiance à bord de Boréal, à 30 000 décennies. C'est agréable d'être mouillé mais de ne pas avoir froid et d'être quand même en crotte malgré le bas tiré. C'est presque le Grand Sud ici, hein. Il manque que les albatros. Au large de la pointe bretonne, cap sur La Rochelle. Sous le soleil, ça file. Je travaille le lâcher prise, c'est-à-dire laisser le contrôle du bateau au pilote à grande vitesse. Et il se débrouille très bien. Bien réglé, il se débrouille très bien, si bien que il a failli battre mon record de vitesse tout à l'heure. Coucher du soleil et surtout devant moi le pont de l'île de Ré. On va passer en dessous. Dernière marque de parcours avant de rentrer à Arcachon. J'espère avoir la marée demain 13h.
Je suis sous le vent de l'île de Ré. Le pont est derrière moi, comme vous pouvez le voir. Ça sent le barbecue, mais t'as juste envie d'y être, quoi. Plutôt que d'aller à l'encontre, oui, faire ensemble qu'ils se rencontrent. Dernier lever de soleil à bord de Montréal pour cette qualif. J'essaye de pas mollir, non seulement pour avoir la marée à Arcachon, mais en plus parce qu'il y a un petit front orageux derrière nous là. Donc j'essaye de cavaler pour rester devant. Mon piano, je viens te saluer comme face à la foule. Je m'incline à ta houle comme signe ferré de sa plus grande plume. Des baisers en brume, j'ai tracé des milliers de lignes. Tant d'autres encore sont à venir. Je viens te saluer comme face à la foule.